soir. Alors, ouais. Tu es à quelques heures de l'élection de la nouvelle Miss qui va être élue ce soir. Donc, je voudrais savoir quel souvenir tu retiens de ton année. Alors, en globalité, je retiens un très bon souvenir. De l'élection Miss Beauvaisis, Miss Oise et Miss Picardie. J'ai la chance de participer aux trois. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai eu des bons souvenirs parce que j'ai rencontré énormément de monde. Je pense notamment aux candidates. Ouais. Parce que je pense particulièrement à Clara Ornella et Caroline. Vous avez créé des liens entre les candidates aussi. Ouais, on a créé des forts liens et on se retrouve souvent pour faire des petits restaurants, des petites sorties ensemble. Donc, j'ai gardé très bons souvenirs. Et tu penses te représenter pour une élection de... Pour ce qui est des Miss, non, j'arrête là, j'ai fait une année, je pense que c'est bien. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, j'ai acquis en maturité durant cette année. Et maintenant je préfère continuer tout ce qui est plus la photo, donc avec des photographes. Tu veux te lancer en mannequinat ou... Peut-être pas le mannequinat parce que les agences, c'est pas trop pour mon truc, mais vraiment courir que des photos. Après c'est vrai que j'ai mes études à côté, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps. Et sinon, au niveau des sorties, qu'est-ce que tu as fait alors comme sortie Cette année, en tant que Miss Beauvaisis, oui. Le film des Miss Oise, alors je retiens tout particulièrement la Foire Expo. C'était le lendemain de Miss Oise, c'est un truc qui m'a vachement marqué. J'ai passé une super bonne journée. J'ai eu la concession Peugeot qu'on a ouverte à Compiègne, donc on était invité avec les Miss Oise. Avec Miss Picardie, on a rencontré pas mal de partenaires. La veille de Miss Picardie, on a fait le tour de plusieurs salons pour nos partenaires, donc ça c'était pas mal aussi. J'ai eu les écuries Enola, j'ai eu la chance d'aller visiter. Oui. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux candidates pour ce soir? Alors, comme moi, comme j'ai fait l'année dernière, je suis restée naturelle, je me suis éclatée sur scène. Et en plus, j'étais venue ici de base avec une amie, j'avais participé à ce concours avec une copine, donc c'était pas dans l'esprit compétition. Et je pense qu'il faut l'aborder comme ça, parce que c'est ce qu'on retient, on ne tire que du positif, et c'est ce qui nous permet ensuite d'avancer. Donc effectivement, on veut rester naturelle, et pour le discours, être simple en fait, raconter... Et ça va, les filles s'entendent bien? Oui, elles s'entendent bien entre elles, apparemment ça va, là, c'est un petit peu long, parce que bon, c'est de la préparation, hein, ce qui est maquillage, habillage, tout ça, mais sinon oui, elles sont entre elles, elles parlent, il n'y a pas de soucis, elles se rassurent comme elles peuvent, je pense. Celle qui était à nos côtés il y a maintenant un an, et oui, un an, à la place de nos candidates. Elle a su charmer le public à chacun de ses déplacements à travers le Beauvaisis grâce à sa gentillesse et son sourire. Merci de l'accueillir. Voici Julie Bert, Miss Beauvaisis 2017. Un petit applaudissement, messieurs, dames, soyez pas timides. Miss Beauvaisis qui rend sa couronne ce soir. Bienvenue Julie, magnifique robe également avec le châle fil. Bon Julie, je sais que ça a été une année formidable, pleine de rencontres et puis également une aventure pleine d'émotions. Je n'en dis pas plus, je vais te laisser le micro pour un petit discours. Alors mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous passez un agréable spectacle parce que je sais que les candidats sont en une bonne partie de la journée, faire du mieux qu'elles peuvent et surtout, ouais. Alors d'ailleurs, les filles, vous adresser quelques petits mots à vous toutes. Alors vous pouvez être fiers de vous, félicitations, parce qu'il être sur scène et vivre en public, ce n'est pas la chose la plus simple. Alors ce soir, même s'il en reste qu'une, et qu'il y en aura trois qui seront qualifiés pour la suite,
bah, soyez fiers de vous et dites-vous oui, je l'ai fait et j'ai osé le faire. Alors, bonne chance à toutes, donnez-vous un maximum et éclatez-vous. J'aimerais également passer un petit message aux communautés, aux staff, aux partenaires, parce que cette année, bah, je n'ai pas passé toute seule, je l'ai passé à leur côté. Et donc, je voulais remercier Ludo, par exemple, pour ces jolies photos qui m'ont fait des magnifiques souvenirs. Alors, Ludo, je ne sais pas où tu t'es caché, mais je me suis pensé pour toi. Voilà, là, voilà. Je voulais également remercier le Jamais-Fil pour ces jolies robes, les partenaires maquillage et coiffure aussi, parce que c'est eux qui m'ont donné des ans sur scène, parce qu'ils m'ont apprêté et ils m'ont donné confiance en moi. Alors, merci à vous. Merci à toi, Maxime, et merci à Carole pour leur encadrement et leurs conseils. Merci à Franck Dufossois pour nous accueillir comme il se doit à chaque fois dans cette session. Merci pour ton accueil, Franck. Isabelle et Stéphane, bien sûr, que je n'oublie pas, parce qu'ils ont été comme mon deuxième papa et mon deuxième maman dans cette aventure. Ce qu'ils m'ont conseillé et m'ont réconforté quand j'ai des chiquilines. Donc voilà, Isa n'est pas là ce soir, mais j'ai une grosse pensée pour elle, parce que son cœur est ici et moi je lui fais un gros bisou de loin. Voilà. J'ai un peu émis, désolée, ma voix est un petit peu coincée. Un petit mot, c'est à mes proches, que ce soit Fanny, amis confondus ou encore connaissances, les gens que je ne connaissais pas et qui sont beaucoup pour moi maintenant. Merci pour votre soutien. Applaudissements pour elle. Et je vous dis bien, vous avez plein d'émotions à tout à l'heure, je suis perdu.